for the statement. I now give the floor to His Excellency Abdoulaye Bio Tchane, Minister of State, Minister of Development and Coordination of Government Action of Benin. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de l'honneur accordé à mon pays, le Bénin, pour célébrer le trentenaire du plan d'action de la CIPD. Comme je l'ai indiqué au cours du segment de haut niveau en 2019 lors du 25e anniversaire de la CIPD, mon pays a choisi d'accélérer les promesses en souscrivant librement à trois engagements majeurs pour l'horizon 2030. Il s'agit de mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, de mettre fin aux décès évitables chez la mère en parvenant à réduire de 335 à 200 décès maternels pour 100 000 naissances vivant d'ici 2030. Et de mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes. Sur chacun de ces engagements, d'importants efforts ont été faits et méritent d'être consolidés. Les travaux à venir de nos assises nationales sur la croissance démographique et le développement permettront d'asseoir dans une démarche consensuelle nos principales orientations démographiques. Celles-ci viendront alimenter le processus en cours de construction de notre vision nationale Bénin 2060. Mesdames et Messieurs, la construction de sociétés inclusives a été toujours au cœur des initiatives de notre gouvernement. En effet, les mesures de gratuité de la scolarisation des filles, la répression des infractions commises à raison du genre, l'assurance santé universelle sont autant de mesures qui visent à assurer une pleine implication des personnes vulnérables et renforcer l'inclusion. Pour les mêmes raisons, nous avons voté en 2017 la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, avec des points d'application dans la santé, les loisirs, le transport, l'entrepreneuriat, la défiscation des équipements et l'éducation. En parlant d'éducation, la mise en œuvre des cantines scolaires vise à s'assurer que chaque enfant à l'école a droit à un repas chaud par jour. C'est une manière de rendre l'école inclusive et de s'assurer que tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence et leur statut social, ont accès à l'éducation. La subvention de l'accès au compteur électrique, l'accélération du programme d'accès universel à l'eau potable d'ici 2026 et les programmes de renforcement de l'employabilité des jeunes visent chacun en ce qui le concerne à adresser une préoccupation particulière d'inclusion. Le Bénin restera ainsi engagé dans la création d'une société plus inclusive et plus équitable. Pour terminer, je voudrais solliciter la communauté internationale à poursuivre ses efforts au profit des pays fragiles, des pays en développement ou à besoins spécifiques, pour nous permettre d'investir dans la résilience et contribuer ainsi à avoir un monde plus juste, plus inclusif, plus équitable et donc plus prospère. Je vous remercie. I thank the Minister of State, Minister of Development and Coordination of Government Action of Benin for the statement.